Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Tente Ma Chance. Aujourd'hui, une petite vidéo pour une opportunité que moi je tente ma chance dessus. Ça va être de miner de la crypto-monnaie. Pas n'importe quelle crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie qui va arriver sur le marché peut-être bientôt. Je dis bien peut-être, hein, je ne suis pas sûr à 100%, c'est nouveau donc je n'ai pas trop de nouvelles sur ça. Mais en tout cas, il y a quelques youtubeurs qui en parlent, c'est le coin X des poteaux. Donc, premièrement, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche surtout pour savoir quand est-ce que mes vidéos vont sortir, poteaux. Et on va voir ça tout de suite. Donc, pas de jingle, on attaque directement parce que ça va se passer sur Android seulement pour l'instant, d'accord, donc il sera disponible sur iOS plus tard, mais cette application, les poteaux, je vais te montrer ça tout de suite, voilà, donc on va faire du semi-direct en fait, hein. Mon téléphone principal et on a coin X ici, donc on va voir l'installation, comment il faut faire, parce que en fait tu ne peux pas la télécharger toi-même tout seul, il te faut toujours un référent pour commencer à miner et gagner un coin de cette crypto-monnaie. Donc c'est coin X. Donc en fait, coin X, tu vas voir comment que ça se passe en fait. Hein. Voilà, donc go to app. Voilà, donc comme tu peux voir, j'ai deux mineurs, d'accord. Donc deux mineurs, c'est parce que je me suis inscrit aussi via un parrain que j'ai, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai un mineur, et j'ai un deuxième mineur parce que je me suis auto-parrainé. Donc là, je vais te montrer comment on s'inscrit dessus et en même temps s'auto-parrainer pour augmenter un petit peu tes coins. Rappelle-toi, j'avais fait une vidéo sur Amberfund, d'accord, et Amberfund, t'inquiète pas que j'ai gagné déjà du 5€ dessus, d'accord. Donc c'est du minage, donc là la crypto n'est pas encore dans le marché, enfin elle est sur le marché, elle commence petit à petit à monter, et il faut savoir que les places sont minimes. Donc au plus vite que tu vas télécharger cette application et au plus vite que tu vas miner, tu vas gagner de la crypto-monnaie, tu ne peux pas savoir à combien qui va être le coin dès que ça va être vraiment sur le marché, que tout le monde voudra l'avoir, d'accord. Donc coin X, son logo c'est CNX en crypto-monnaie. Donc je vais te montrer ça. Donc voilà, tout simplement, c'est une plateforme comme ça. Tu auras 0,02 coins P par heure, d'accord, pièce à mon avis, hein. C'est des pièces, coins, pièces par heure. Du 02, hein. Et si tu t'auto-parraines, si tu as plusieurs téléphones Android, ben tu pourras également, même une tablette, hein, tu pourras également augmenter tes gains ici, d'accord. Donc ici tu auras le bouton start pour lancer ton minage, d'accord. Donc il faudra que tu insères, je crois, enfin je sais plus, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc comme tu peux voir, je suis à 04, mais après c'est normal vu que j'ai un deuxième téléphone ici, d'accord, qui est relié encore. Hop, mon téléphone principal, donc j'ai deux mineurs, je me suis en fait parrainé pour avoir deux minages, d'accord. Donc voilà pourquoi je suis à deux mineurs. Donc là je vais passer à trois mineurs tout simplement parce que je vais te montrer l'installation, d'accord, et ensuite comment insérer ta pièce point X sur un wallet, d'accord. Donc c'est parti les poteaux, moi je vais fermer celui-ci, même les deux je pense, non celui-ci je vais le garder, je vais fermer celui-ci, je vais connecter un autre Android, donc c'est parti les poteaux. Donc voilà poteaux, donc comment s'inscrire, donc je dis bien pour l'instant ce n'est que sur Android, mais si tu tapes sur Google Chrome, hein, coin X, tu verras la page, d'accord, donc ça sera en anglais, mais tu pourras voir que tu as le logo aussi iOS. Donc au pire, si au moment que j'en parle ils l'ont déjà mis, dis-le moi en commentaire, essaye d'aller voir, c'est coin X, tu tapes coin X tout simplement, c'est coin X, et tu regardes dans le pas le Google Play mais c'est l'Apple Store, voilà, donc je confonds toujours les deux à chaque fois. Donc ici pour installer, bah, tout simplement il faut que tu ailles dans le Play Store, hein, poteau, voilà, et tu vas taper tout simplement ce que je viens juste de dire, coin X, voilà, coin, oh, coin C mais coin X, en plus ce téléphone bug, donc je vais m'en servir vraiment pour miner, hein, pour faire le truc, donc coin X,
voilà, on peut voir ici, et ici tu as le logo, hein, juste à côté, c'est celui-là. Tu tapes sur .xMineurApp et tu vas installer. Donc regarde bien, c'est aussi simple que ça. Donc le téléchargement est en attente. Donc vu que je crois que je dois avoir des mises à jour, hein, comme je vois un petit peu ici, d'accord, je dois avoir des mises à jour. Je mets sur pause et je reviens dès que c'est installé. Donc voilà poteau, tu pourras ouvrir cette application. Voilà. Donc ici tu vas faire Start Now. Voilà. Ici, ils vont te demander un nom de compte, ton numéro de téléphone et ton nom entier. Donc, ça peut être un pseudo aussi. Donc, ici, admettons, je vais m'appeler MLO Modeur. D'accord, MLO Modeur. Ici, il faudra que tu te mettes vraiment un numéro. Donc, moi, je vais garder quand même la France. Donc, France. D'accord, plus 33 et tu mets ton numéro de téléphone. Et tout simplement ici, tu mets ton full name. Donc c'est soit que tu mets ton vrai nom, ton vrai prénom, ou alors tu remets MLO mode. MLO mode, voilà. Admettons, voilà, un truc comme ça. D'accord, full name. Donc ensuite, donc sur la deuxième page, tu mettras ton adresse mail et un password et un autre password, et ensuite ben, tu fais next step. Et ensuite poteau, ben, comme tu peux voir, si je m'en vais dans la mining team, tu peux voir que moi je me suis inscrit avec lui, avec son invitation code. Je me suis inscrit avec lui et j'ai recréé avec l'autre téléphone que j'ai fermé. Je tente ma chance mining, d'accord. Donc comme moi je mine, bah ici j'ai un mineur sur deux qui est actif. L'autre il a fait sa vidéo, en fait il a donné son lien, mais il n'est pas trop actif, hein, je le vois, il n'est pas trop actif. C'est pour ça que je vais recréer un deuxième pour que ça monte un peu plus vite, d'accord. Donc comme tu peux voir, j'ai deux mineurs en fait, hein, mais toi tu ne peux pas t'inscrire si tu ne mets pas mon lien, si tu es intéressé, si tu ne mets pas mon code d'invitation, hein, qui est MLO Modeur. J'avais mis MLO Modeur. Donc ici tu taperas MLO Modeur pour avoir ta première pièce, ton coin X, d'accord, ton premier coin X. Donc je répète que ici tu auras un coin X. Donc il faudra que tu mettes MLO Modeur, d'accord, pour que tu puisses commencer à miner. Donc moi je fais OK. Donc il faut accepter ici. Il faut accepter les deux cases. Donc c'est une opportunité, tu sais pas combien qui va arriver sur le marché. D'ailleurs on va aller voir sur CoinMarketCap après à Kobaki. Donc il est en micro-monnaie pour l'instant, mais il commence à monter, d'accord. Bad request, OK. Donc si ça fait ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout simplement fermer ton appli, d'accord. Moi en fait ça fait bad request. Alors hop, je vais fermer mon appli. Et tu vas voir, je vais le rallumer, ça va aller. Donc, point X est là. Je rappuie dessus. Je l'ouvre. Voilà. Et je fais, voilà, login, start now. Non, pas start now, pardon. Je fais login. Je mets ce que j'ai mis, hein, mon email ou bien mon compte nom. Mais mets ton email et ton password et tu te connectes. Donc ensuite, tu auras une page comme ça et tu appuies sur GoToApp. Et comme tu peux voir, voilà, j'ai un ici, d'accord. J'ai un coin collecté pour justement mon code d'invitation que je te donne. Donc tu auras un aussi, tu auras une pièce, tu auras un coin X en fait. Et tu pourras commencer à miner tout simplement ici en appuyant sur Start, d'accord. Donc dessus ici je vais voir, je vais fermer ici, je vais me relancer directement sur point X, voilà, pour voir si ça a été pris en compte. Et voilà, comme tu peux voir là j'en ai 3, d'accord, donc je retourne à 6. Donc dans les
Ici, tu auras un bonus important, je vais te le dire tout de suite, hein, il faut vraiment que tu saches où tu t'en vas en fait pour miner ce coin X, d'accord? Ici, tu as un lecteur, tout simplement, tu vas regarder tes pubs, donc je vais le faire sur l'autre en même temps, hein, voilà, et tu vas gagner du 100 points. Voilà, tu vas gagner du 100 points, donc c'est toujours la même pub, Forex Trading, donc je le ferai tout à l'heure sur celui-là. Mais bon, voilà, tu cliqueras ici sur le play. Et comme tu peux voir, hein, ici ta pub est finie, tu as une croix tout en haut. Et ben tu fermes. Et voilà. Et je suis passé à 432 au lieu de 330 tout à l'heure. D'accord? Donc, 400 ou alors je ne sais plus. Donc voilà ce qu'il faut faire tout simplement pour miner. Mais tu vas dire, ouais. C'est bien beau poteau, mais on mine, on va le mettre où ce coin X dès que on pourra le retirer. Parce que les places sont limitées, je vous le dis hein, tout de suite, hein, dès qu'ils atteignent leur quota, ils stoppent vraiment les invitations de code. Hein. Donc perso, il faut y aller vite fait quoi, hein, les poteaux, pour miner. Et après tu attends qu'il est sur le marché et tu pourras avoir dessus sur ton application le withdraw. Donc pour ce faire, là je crois que je t'ai tout dit, là, dans les trois petits points, tu pourras voir que tu as le mineur. Donc le mineur, si tu appuies dessus, tu retournes en page ici. Donc comme tu peux voir, ici tu auras un décompte de 24 heures. On peut le voir à côté, là, pendant 24 heures tu mines. L'avantage c'est que tu fermes ton téléphone, ça continue à miner. D'accord? Tu as la team, d'accord? Donc ici la team, tu pourras voir que voilà, j'ai MLO montage. Je me suis appelé comme ça au lieu de MLO modeur, d'accord? MLO montage, je tente ma chance et le lien que justement j'ai pris l'application à cette personne, Renault Parfait, voilà, qui tu vois n'est pas lui, ne mine pas, voilà, tout simplement. Donc ça c'est bon. Moi tout simplement là c'est la team que tu peux voir. Après tu as les news topics, la FAQS, donc je ne sais pas si tu peux l'avoir en français, sinon c'est à toi de débrouiller pour le traduire, le charroom. Charroom, ah non, c'est sur Telegram. Tu peux t'inscrire sur Telegram ou un truc comme ça. Tac tac tac. Hubag.x. Voilà, tu as l'écosystème, mobile app, blockchain, etc. etc. Donc maintenant, bref, tu check un petit peu le truc, d'accord? Tout simplement pour comment insérer maintenant ce coin X dans un wallet. Donc, bah, tout simplement, je vais te le montrer, poto, d'accord? Donc, pour exemple, je vais. Est-ce que je l'ai fait sur celui-là? Donc voilà, poto, tout simplement, je vais te montrer maintenant pour gagner tes coins X, hein, tout simplement sur Trust Wallet, d'accord? Donc, premièrement, il faudra que tu ailles télécharger Trust Wallet, donc on va le faire ensemble, les potos. Donc voilà les potos, donc je ne l'ai pas trouvé directement sur le Google Play, donc la meilleure solution c'est aller sur Google hein, et taper trustwallet.com. Tu auras Trust Wallet et tu pourras vraiment le télécharger soit sur Google Play, tu peux le télécharger aussi directement en APK, mais moi je vais prendre sur Google Play, je vais voir où est-ce qu'il est. Donc ouais, il était bien là, donc je sais pas s'il fallait mettre un T majuscule ou quoi, ou le W, mais bon. Ah, il n'est pas compatible, les poteaux. Ah, ça, c'est pas cool. Donc, c'est pas grave. Je vais essayer tout simplement ben, de t'expliquer avec mon téléphone principal. C'est peut-être pour ça que je ne le voyais pas, en fait. Donc, tout simplement, ben, tu installes Trust Wallet. Donc, ben voilà, en fait, tu t'inscris. Hein, c'est pas sorcier, tout ça. C'est pas compliqué, je pense qu'il y a un email, peut-être un numéro de téléphone, je sais pas quoi, enfin bref, c'est la routine de l'inscription hein, d'une application, d'un wallet. Tu t'inscris, tu vas voir ce qu'il te demande, tu inventes un mot de passe, tu vas avoir tes emails pour valider ton compte, des trucs comme ça. Bref, c'est le truc en gros pour télécharger, pour t'inscrire sur Trust Wallet. Et tu vas tout simplement retomber sur ce portefeuille principal comme ça. D'accord? Donc voilà, pour insérer le coin X sur le Trust Wallet, d'accord? Tout simplement, tu vas aller directement sur ton Google. Voilà, tu vas faire ça en fait. Google, tu vas faire
point market cap. Voilà. Et tout simplement, en mode recherche, là, sur la loupe, ici, tu vas taper coin X. Coin X, donc le coin X est là, le CNX. Voilà. Tu tapes dessus, et là, ici, pour l'instant, comme vous voyez, il monte. Il est à 4,54% aujourd'hui. À monter, donc il va continuer à monter, c'est obligé. Avoir qu'il soit sur le marché, normalement il devrait bien monter, d'accord. Donc vous voyez le petit 006902 et là il est à 001939, donc le plus gros qui était monté. Donc tout simplement tu vas descendre ici, tu descends. Là, tu peux voir l'évolution, vous voyez, regardez, on va voir l'évolution en même temps, vous pouvez tout voir sur coin market cap. Donc voilà, ici vous allez voir Trust Wallet et MetaMask. Donc si tu as un MetaMask, tu pourras le faire aussi sur MetaMask. Ici tu as la BNB Smart Chain BEP20. Ici tu as deux petits carrés, tu vas appuyer dessus pour copier l'adresse, donc ou alors tu appuies directement sur l'adresse. Voilà, tu appuies sur l'adresse sur CoinMarketCap et tu pourras voir que là ils te disent inférieur à 1 centime, d'accord. Total supply 76 000, on s'en fout. Holder 988 adresses, transfert 3537. Tu as le contrat, l'adresse de contrat, tu as les décimales en dessous, d'accord. Donc ici en fait tu vas copier cette adresse ici, tu vas copier, voilà, tu appuies une fois, copier, d'accord. Là on est sur coin market cap tu vas retourner sur Trust Wallet. Voilà, donc ici on va cliquer sur les trois petits points. C'est chiant parce que je dois le faire sur mon téléphone et j'oublie de vous montrer les, voilà, les, sur les paramètres ici, vous cliquez là et vous allez recliquer sur plus. Voilà, et ici vous demande un réseau, donc l'Ethereum, donc ici le réseau c'est BNB Smart Chain. Donc on va voir, hein, faut pas se tromper, on retourne sur CoinMarketCap, d'accord. Donc c'est bien du BNB qu'on avait vu, on a l'adresse qu'on a copié, BEP 20. Donc c'est bien le BNB. On va prendre le BNB, réseau BNB Smart Chain. Adresse de contrat, ben tu vas cliquer tout simplement sur coller vu que tu as copié l'adresse. Donc elle se met et là tu pourras voir que le nom c'est .x, CNX et Divi décimal. Donc tu fais sauvegarder. D'accord. Donc moi je suis comme un bourse, je l'ai refait alors que je l'ai. Et j'aurai une adresse. Voilà. Voilà, donc ton adresse sera ici, le CNX, d'accord, BEP20, et tu pourras envoyer ou recevoir. Donc, dès que ton minage sera fait ici et qu'on pourra retirer ce coin, d'accord. Donc là, j'arrive bientôt à 2, c'est cool les poteaux. Hein. Dès qu'on pourra retirer au moment voulu, d'accord, dès que cette crypto-monnaie va être sur le marché, d'accord, qu'on pourra vraiment travailler avec, hein, soit les stacker, soit miser, faire du trading avec, ou soit tout simplement stacker ou prendre ton argent avant que ça rebaisse une fois. Mais là, vu le prix, tu peux attendre à long terme de le stacker sur Trust Wallet ou MetaMask, comme tu as pu voir. D'accord. Donc tout ce que tu vas gagner ici, là tu pourras bien entendu l'envoyer. Donc ici sur le CN. Ah c'est chiant. Je peux vous dire que les empreintes c'est chiant. Hein. Sur la crypto-monnaie CNX, ici tu feras recevoir là. Et ici tu vas copier ton adresse là de Trust Wallet. D'accord. Tu copies ça. Et dès que ça sera disponible, ici tu pourras faire withdraw, insérer l'adresse, donc l'adresse que tu as collée sur Trust Wallet, et tu envoies
tes coins que t'as, et si t'en as 3, 4, 5, 6, juste à temps que t'en as, peut-être plus tard, tes 6 coins vont peut-être monter à, je ne sais pas, peut-être 1,50€, hein, donc tu auras peut-être du 9€, voilà, du 9€ à la place de 6€, admettons. Et voilà, et plus que ça va monter, plus que tu pourras bénéficier des avantages de profit sur CoinX. Donc voilà poteau, c'était vraiment une vidéo très courte que je voulais te faire, d'accord. Sur ça, moins d'une demi-heure, donc j'ai pratiquement réussi en espérant un petit peu le. J'espère que tu as bien compris le concept de Trust Wallet, d'accord. Comment insérer la crypto-monnaie, sinon reviens sur la vidéo et regarde comment que j'ai fait, d'accord. Donc ici tout simplement tu t'inscris, tu mets mon code d'invitation pour avoir déjà un coin, d'accord, et pouvoir miner, parce que moi je mine, hein, je te le dis, je peux te montrer, voilà, regarde, mes deux téléphones ils sont là, je mine, hein, donc tu seras toujours dans le vert, ça c'est sûr. Moi j'ai mes téléphones qui sont sur le côté la nuit, je suis toujours en vert, donc tu vas gagner même si tu éteins ton téléphone, d'accord. Voilà, donc ici pas compliqué, la team là, voilà, rejoins-moi dessus et tout simplement reviens en arrière sur la vidéo si tu n'as pas compris comment insérer justement ce coin. Tout se passe sur CoinMarketCap, d'accord, CoinX, et tu copies l'adresse, tu cliques sur l'adresse, tu copies l'adresse tout simplement. Donc insère MLO modder, d'accord, et en code d'invitation, et tu pourras commencer à miner gratuitement ce coin qui va bientôt venir sur le marché de la crypto-monnaie. Donc moi je te dis à plus, c'était Je tente ma chance, j'espère que tu as aimé cette vidéo, ciao ciao, yeah.